Lola est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Dynamique, enjouée et pétillante, elle mord la vie à pleines dents. Bon, elle a aussi des défauts, bien sûr. Comme toute fille qui se respecte, elle se prend facilement la tête pour pas grand-chose, elle est sensible, un peu chiante et très bavarde. Enfin, ce sont des détails. Personne n'est parfait, n'est-ce pas? D'une beauté naturelle, c'est le genre de femme que tout le monde aimerait avoir à ses côtés, ou dans son lit. Elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Enfin tout, ou presque. Il y a un domaine dans lequel le sort s'acharne plus ou moins contre elle, l'amour. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Je me suis levée tard, histoire d'être bien en forme ce soir. J'ai passé une heure dans ma salle de bain pour prendre une douche. Bon, ça c'est normal, mais là j'ai sorti les gels douche spéciaux. Me laver les cheveux, et quand on a cette tignasse, ça prend du temps. Me raser les jambes, pendant que mon soin pour les cheveux agissait. Passer trois plombes à enlever ce fou du soin, ils avaient plutôt intérêt à être soyeux mes cheveux. Me faire un maillot. Me passer tout un tas de crèmes pour être douce et bonne. Enfin, sentir bon quoi. Me sécher les cheveux. Oh putain, la touffe. Me boucler les cheveux. Allez, c'est le dernier, on va y arriver. Me maquiller. Enfin, pas trop. On va éviter de ressembler à un camion volé. Trouver LA tenue. Je me regarde dans le miroir avant de partir. Je suis bonne. Je suis en avance. J'aime pas ça. Ça fait un peu genre la meuf tellement excitée par la Saint-Valentin qu'elle veut surtout pas être en retard. Autour de moi, il y a que des gens qui s'aiment. Ah, enfin, pas que. Putain. Ça fait 6 mois que j'ai pas baisé. Je préfère arrêter de les regarder. Voir autant de gens qui s'aiment, ou plutôt qui font semblant de s'aimer plus que tout uniquement parce que c'est la Saint-Valentin et qu'on est censé être avec quelqu'un ce jour-là... Un petit truc... Certains se sentent obligés d'emmener leur dulciné dans un super resto, de leur offrir un super cadeau. Il y en a même qui vont jusqu'à faire leur demande en mariage. Accepterais-tu ? À ce moment-là, ils ont oublié que 2 jours plus tôt, Madame les faisait chier avec le linge sale. C'est quoi ça? Mon amour, je t'aime. Tu es la plus belle. Tu es ce qui m'est arrivé de mieux. Mon cul, ouais. Tout ça, c'est purement hypocrite et commercial. Les gens dépensent des fortunes pour une soirée, mais tout n'est qu'illusion. Ils veulent se persuader que tout va bien dans leur couple, parce qu'à côté, tout se casse la gueule. Mais bah justement, ta mère, j'aimerais bien qu'elle reste là où elle est, parce qu'elle commence à me gonfler aussi. On essaie de recoller les morceaux ce jour-là. On oublie toutes les disputes qui se passent d'une journée. Alors qu'on sait très bien que tout recommencera demain. Quoi? Vous croyez que je suis une grosse frustrée de l'amour? Bah peut-être, ouais. Mais au moins je me voile pas la face. J'ai peut-être pas encore rencontré le grand amour. Je ne connais peut-être pas ce je ne sais quoi qui rend aveugle et bête. Mais franchement, quand je regarde les couples que je connais, ils ne vendent pas tous du rêve. Et puis, il n'y a qu'à voir mes précédents de Saint-Valentin. Il y a eu Pierre. J'aime quand tu fais la gueule, quand tu me regardes, quand tu me regardes pas. J'aime ton air un peu coupable quand t'as mangé du chocolat. Quand je fais quelque chose de bien pour toi, tu me regardes dans les yeux et tu me dis merci. Et plus je passe du temps avec toi, et plus j'aime tout ça, et plus je... Plus je t'aime. Julien. À peine rentré chez lui, je savais ce qu'il avait en tête. Alors, on passe direct au dessert. Jérémy. Le mec tellement timide qu'il ne savait pas quoi dire. Parce que c'était sa première Saint-Valentin avec quelqu'un.
Mais quel boulet. Nathalie. Lola 07. Oui. Nat 44. J'avais voulu tenter les sites de rencontres lesbiens, et comme on était toutes les deux célibataires à ce moment-là, après quelques minutes de chat, j'ai accepté le rencard. Mais quand je l'ai vu débarquer, au secours quoi, un mec. Quitte à essayer les meufs, autant que ce soit avec une vraie. C'est quoi? Il est mille et demi. Moi, je te le fais en mille et demi. C'est quoi l'amour? C'est du désir, du fond. Comme de la forme. La forme, elle est ce qu'elle est, c'est un fait. Mais le fond, peut-être altéré par des effets comme cette bouteille de silicium. Milo. Alors que sans, c'est... Un pseudo-poète qui voulait qu'on se bourre la gueule sur les quais pour se laisser aller à l'inspiration divine portée par les effluves de l'alcool. Suffit de se laisser aller à l'inspiration divine portée par les effluves de l'alcool. Si la Saint-Valentin tombait en été, ok, mais là... Patrick, on était amoureux depuis quelques mois. Jusqu'à ce qu'il m'annonce le jour de la Saint-Valentin. Je suis gay. Il était gay. Je me suis bien rendu compte qu'il y a quelque chose qui me mange depuis un moment. Ça va changer pas mal de choses entre nous. C'est pas évident parce qu'avec David, ses potes, tout ça, je suis gay. Pas glorieux, n'est-ce pas? Alors, cette année, malgré tous mes échecs cuisants, j'ai quand même accepté de rencontrer un pote de Patrick. De lui, je ne sais que deux choses. Son prénom, Charlie, et qu'il est amazing. J'imagine un mec beau à tomber, qui arriverait au ralenti, qui ressemblerait à une couverture de magazine et qui me... Non, évidemment. Mais où est Charlie? Là, il pourrait se passer plusieurs choses. 1. Si ça se trouve, il est assis à une table dans ce bar et on est tous les deux comme des cons à s'attendre. 2. La couverture de magazine entre bel et bien, sauf que je serais à ce moment-là en train de me repoudrer le nez et monsieur, ne me voyant pas, ferait demi-tour. 3. Au moment de me lever, une femme magnifique entrerait au ralenti et marcherait vers moi avec une démarche très affirmée et sexy. Bon, fini de rêvasser. De toute façon, ça ne se passe jamais comme on l'imagine. C'est décidé. La Saint-Valentin, j'arrête.
sourire. Vas-y, continue. Ouais, ouais. J'ai de la mousse au chocolat. Les mille et une nuits. Moi, je te les fais en une nuit. Voilà. On la refait tout de suite. On enchaîne dans la foulée. Eh bien, pour commencer, ça serait bien que tu me regardes un petit peu, hein, que je m'habille pas pour le pape. Ça serait bien aussi de temps en temps que tu me baisses, tu vois, ça m'arrangerait. Je m'éviterais. Voilà, bien des choses. Donc, il y a un truc qui te déplaît, c'est ça? Une chose qui me déplaît? Tu veux qu'on fasse le compte? Tu veux que je sorte mes listes? Mon cahier de doléances, tu veux que je sorte? Oh mais c'est mon temps, plus gueule pas! T'as qu'à retourner chez ta mère, ça te plaît pas! Putain. Ah bah alors, ça laisse ma mère où elle est, hein? Ouais. Oui, bah justement, ta mère, j'aimerais bien qu'elle reste là où elle est, parce qu'elle commence à me gonfler aussi!